Plus de 500 exemplaires se sont déjà vendus en seulement quelques semaines. Palais de Monaco à la table des princes est un ouvrage qui retrace différentes recettes sorties tout droit des cuisines princières. La journaliste Véronique André, à l'initiative du projet, a travaillé de concert avec le chef Christian Garcia durant près d'un an. Une précieuse collaboration. Il a été très à l'écoute. Parce que bon, on venait quand même le déranger un peu entre deux déjeuners, un déjeuner, un dîner. Et on a quand même réussi à faire... On est venu nous, de Paris, 10 fois. Et voilà. Et on est allé à Rocagel. J'ai rencontré le prince au palais. J'ai rencontré la princesse aussi. Et non, c'était formidable. Ils ont été très, très, très généreux avec nous. L'ouvrage donne un regard vers la Méditerranée avec une cuisine aux saveurs du Sud. Poissons, coquillages et légumes bio sont à l'honneur au fil des pages. Les différentes recettes inventées par le chef Christian Garcia connaissent un franc succès auprès du grand public. Les gens sont contents d'entrer dans les coulisses du palais, de s'installer à la table des princes. Donc ils sont très surpris aussi de découvrir les coulisses de Rocagel. Personne n'avait eu l'occasion de découvrir le potager, c'est vraiment très fermé. Et les gens sont très surpris d'avoir le privilège d'entrer dans la résidence d'été de Rocagel. Sachez que l'intégralité des fonds récoltés lors de la vente de l'ouvrage Palais de Monaco à la table des princes sera reversée à l'association Mission Enfance.